C'est une très bonne question. Bah, déjà, Romain, Fadi Boulti, est-ce que c'est partagé on dit qu'il y a le contact Bin Lahibin. Sa situation aujourd'hui sportive, Al-Sadd, elle n'est pas claire. Je pense que depuis le dernier match, mois de juin, même s'il a fait une bonne préparation, je pense qu'aujourd'hui, fin de le rassemblement, Hassan il guide sa situation à Farka Diallo, qui a plus de visibilité sur le projet sportif Diallo. C'est quelqu'un quand même, il a un tira, il a de l'expérience, il a deux Coupes du Monde, il a deux Coupes d'Afrique. L'Égypte Yunis, avec qui j'ai un très bon contact, parce que justement, Dima Kangoula, c'est bien d'avoir beaucoup de jeunes, l'expérience d'Eli, parce que des aides de la formation à FUS, les jeunes c'est bien, je dis les titres ou je dis les matchs, il faut quand même l'amener à l'expérience. Donc aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas Romain, un joueur comme Abdelhamid, on en a besoin, et puisqu'il joue en première division à Saint-Etienne titulaire, et qu'il est toujours au niveau, en tout cas sur le court terme, tant qu'il peut jouer au très Abouna, et sur 2025, ça dépend du joueur et de la concurrence aussi. Aujourd'hui, Michel Iriad de Blessa ou Romain Makaïch, ça ouvre une porte pour Younis. Et à Younis, Bilina déjà, parce que Michel Bilina, il dit que le Fali la Coupe d'Afrique, mais qu'il a joué, Dima Kaboun, c'est un grand professionnel ou Wahed Loult. Dima qui a gêné la communication là, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de malheur, les gouttes l'eau, les gens avec les. Parce que vraiment, j'avais peut-être des jeunes, des couches, et qu'on a besoin de lui, et il répond présent.